Salut tout le monde, c'est Guillaume, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster. C'est la troisième vidéo que je fais. Donc voilà, j'ai pris plusieurs boosters différents. Donc vous pouvez voir que j'ai pris du Génération, j'ai pris un pack du Destin, j'ai pris Origine Antique, Étincelle, Primo Choc, enfin j'ai pris plusieurs boosters. Comme ça, au moins, il y aura très peu de chances que dans cette vidéo, on tombe beaucoup sur de doubles. Je vais commencer par les cartes que j'ai le plus, c'est-à-dire Impact des Destins et Rupture Turbo. Malheureusement, j'ai trouvé qu'un seul Rupture Turbo. En général, j'ai essayé de faire plusieurs doubles, par exemple deux Impacts des Destins, deux Turbo, mais bon. J'en ai trouvé que un de Rupture Turbo, et c'était dans un tri-pack, donc du coup, je me revoilà avec trois Impacts des Destins et un seul Rupture Turbo. Je pense qu'on va commencer plutôt par le Rupture Turbo. Allez, c'est parti. Là pour l'instant je garde pas vraiment les emballages de booster donc c'est pas important de les conserver. Hop, sauf pour les primo chocs, enfin ceux que j'ai pas. Voilà. Alors, voilà le petit code online pour vous. 1, 2, 3. On met celle-là devant. Bon déjà je suis sûr qu'avec les ruptures turbo je vais avoir des doubles. Ok, Arcanin, super, bon bah, je l'avais déjà. Mais voilà, c'est mon premier doublon. Super. Ah, Batrachné, génial, je ne l'avais pas. Oh, je la trouve magnifique cette carte. Alors vraiment sympa. Impeccable. Rien à redire. Melocric. Psychoquack. Alors cette carte, elle est magnifique, mais je l'ai au moins 12 fois. C'est abusé. Si tu pouvais partir de mes boosters, ce serait super. Coquillas. Zélibron. Grain dur. Ah ouais, sympa celle-là aussi de cartes, j'aime bien. Electek, on voit pas souvent d'ailleurs, je suis tombé qu'une seule fois dessus. Grain dur en reverse. Ah ça tombe bien parce que j'avais déjà Noacia en reverse. Et pour finir, Roigada en holographique. Je l'avais déjà, donc elle sera à l'échange pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, bon, on commence avec un petit booster assez sympa, une holographique, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va commencer par Impact des Destins. Je vais ouvrir d'abord Goupelin. Je sais pas pourquoi, je commence d'abord par ceux que j'aime le moins et ensuite je finis avec ceux que j'aime le plus, c'est-à-dire, comment ça s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Mega Alakazam et Lugia. Donc, voilà le petit code online. Tac. 1, 2, 3. On les met devant. Allez, c'est parti. Et on commence avec Pastiféric. Je l'avais donc, elle sera l'échange. Ramboum, Kabuto, Archeomir, Doudouvé, Shunity, Ambrilex, tiens, j'aime bien cette carte, elle est sympa. Miaus, Shunity en reverse et Golgopath, eh ben, ça tombe bien. Je ne l'avais pas. Donc, ouais. Bon, c'est pas le Pokémon que je préfère le plus, mais bon. Voilà, voilà. Bon, ben, quand même bien sympa. Ensuite, on fait avec Alakazam. Hop, le petit code online pour vous. C'est cadeau. 1, 2, 3. Tac, devant. Allez, on commence avec Meios. Ah, franchement, j'adore cette carte. Enfin, j'adore cette carte. J'avais déjà cette carte, Meios, mais pas dans cette forme-là. Donc, je garderai celle-là et je mettrai l'autre à l'échange. Tac, Terre Brûlée. Chenizel, en forme, feuille. Riolu. Vivaldin. Snubbull, celle-là aussi, je l'ai un paquet de fois. Chinchidou. Archeomir, encore. Ah, Symbios en reverse. Ah, vraiment pas mal en reverse, ça rend vraiment bien. Et pour finir, encore Golgopath en rare. Bon, ok, d'accord. Voilà, on passe à Lugia maintenant. Étant donné que c'est mon Pokémon préféré, on ouvre en dernier. Espérons qu'il me porte chance. Ouais. Hop. Bon, ça, on le vire. Le petit code online. Tac. 1, 2, 3. On les met dedans. Oui, je fais maintenant la technique du 1, 2, 3 et pas prendre 4, 5 parce qu'en général, enfin, souvent, ça m'arrive de me tromper et elles sont mal mélangées. Donc voilà, je prends les trois premières et je les mets directement devant.
Hop, alors Ramboum, Kabuto, Chenizel, Strassi, Rondoudou, Riolu, Vivaldin, Snubbull. Oh, Lianaja, nickel, je ne l'avais pas. Et en plus, en reverse, super, génial. Et il me manque plus que ma Jaspic maintenant. Et pour finir, nous avons... Alakazam X. Oh, vraiment sympa, je ne l'avais pas. J'avais méga Alakazam, mais pas Alakazam. Vraiment sympa. Oh, il est magnifique. J'adore l'effet qu'ils ont fait avec une espèce de boule synergie, je sais pas quoi. Vraiment sympa. J'adore. Bon, ben voilà, déjà une première ultra. Ça fait toujours plaisir. Ouais, je vais... Du coup, bon, je la mets... Bon, je vous les montrerai à la fin parce qu'il n'y a vraiment pas de place là sur mon bureau. On va passer maintenant aux générations. Vu que c'est les deux troisièmes séries, c'est la troisième série que j'ai le plus. Bon, je ne les garde pas non plus les emballages boosters puisque je les ai déjà pour la plupart. Bon, je pense qu'il n'y en a que 4. Donc voilà, j'ai déjà les 4. Inutile d'en garder plus. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de command line. Alors, 1, 2, 3. Espérons que... Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert booster. Je ne sais pas comment sont classées les rares. Bon, enfin, j'espère qu'elles sont... Culbuto qui est femelle avec un petit rouge à l'air. Autant dire que dans cette... Bon, c'est... Bon, j'aime pas vraiment Culbuto qui avec ce petit rouge à lèvres comme ça. Bref. Crisacier, Len, Topicœur, une énergie psy, Rhinocorn, sac de nœuds, Dame du centre Pokémon en reverse. Oh, Sucroquin en holo. Oh, elle est trop belle cette carte. En plus, je l'avais pas. Oh, vraiment super sympa. J'adore. Vraiment joli. Et pour finir, Tignon en rare. Bon, je l'avais déjà, mais je sais plus si c'était en holo ou en reverse. Bon, il faudra que je revérifie. Allez, on ouvre le booster de Pikachu maintenant. Espérons qu'il nous porte chance quand même. C'est la mascotte. C'est la mascotte. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. C'est la mascotte. Espérons que la mascotte lui porte chance. Allez, 1, 2, 3, tac. On met tout devant. Et on commence avec un petit salamèche qui fait plaisir. Evolusoda, d'accord, ouais. Dame du centre Pokémon, Fantominus, une énergie O, Dodio, tiens, celle-là aussi je l'ai un paquet de fois. Chenipan, Meowth en reverse, vraiment sympa. J'adore le pauvre, il est dans le désert. Tout fatigué. Alors, elles sont un peu brillantes les cartes. Je sais pas si c'est à cause de la lumière que j'ai mis. Je vais essayer de régler ça. Essayer de pas faire en sorte que les cartes brillent trop à la caméra. Ouais, ça change pas grand chose en fait. Hein. Miaus. Monarctique en holographique. Oh, vraiment sympa. Et puis j'ai bien aimé le petit effet d'onde dans l'eau là. C'est vraiment sympa. Monarctique, vraiment sympa. Oh, magnifique. Vraiment, très très belle carte. J'adore. Et pour finir, un Dodrio en rare. D'accord. Ok. Bon, d'accord. On n'aura pas eu vraiment d'ultra rare, mis à part le méga à la Kazan. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi acheté un tri-pack et un duo-pack, si on peut dire ça. Génération, vu que je n'arrive pas à en trouver en simple booster, je ne sais d'ailleurs pas si ça existe en simple booster. Donc voilà, j'ai eu encore Mew, il sera à l'échange. Et un petit Grenousse holographique. Ça, c'était dans le tri-pack avec les deux impacts des destins et le rupture turbo. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai pris, c'était surtout pour le rupture turbo, malgré que j'avais déjà Grenousse. Enfin, voilà. Bon, ça fait toujours plaisir quand même. Hop! Allez, on passe aux origines antiques maintenant. Espérons qu'on tombe sur les rares, parce que là, il n'y en a pas vraiment eu beaucoup d'ultra. Oh! Elles sont un peu difficiles à ouvrir, hein, les origines antiques. Oh, c'est un peu dur. Hop, voilà. Hop. Bon, apparemment, toutes les cartes sont rangées dans le même ordre. Ah, bah voilà, là, il y a un code online. Il sera pour vous. Allez, 1, 2, 3. Et allez, on commence avec une niveau ball. Ah, Ténifix, un Pokémon que j'aime bien. Lysandre, Sepiatop, Mucuscule, Terral, Zarbi, Porygon. Oh, Kirlia en reverse. Vraiment sympa.
Je ne l'avais mais juste en normal, donc je la remplacerai. Et pour finir, nous avons un Pyrène en semi-full art. Ouais, d'accord. Bon, je l'avais déjà. Tempi. Allez, on passe à la suite, on n'a pas le temps. On est déjà quand même à 10 minutes 26 secondes de vidéo. À ce rythme-là, je galère. Les origines antiques, ils me résistent un peu quand même. Ils veulent pas se déballer. Tac, allez. Alors, si je prenne pas toutes les cartes. Le petit code d'online, tac. 1, 2, 3. On met ça devant. À Pyrène, cette fois-ci en peu commune. Casque chance, lien spirituel Pharamp, Golem Astok, Terral encore, Banbuto, Sepiatros. J'aime bien cette carte. Je sais que le Pokémon ne m'attire pas tant que ça, mais la carte est vraiment sympa. J'aime bien. Mucuscule, Marest en reverse. Et pour finir, nous avons un Regice. Ah, super, c'est le troisième golem qui me manquait. J'avais déjà Registeel les Regirock. Et voilà, Regice. Le dessin ne me plaît pas tant que ça, mais bon, voilà, c'est un légendaire, ça fait toujours plaisir. Hop, non, je vais ouvrir. Enfin, là, il restait une origine antique ici. Et je préfère ouvrir les Mega Rayquaza Shiny en dernier, parce que ce sont les illustrations d'origine antique qui me plaisent le plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles illustrations de tous les boosters que je vous aurai ouvert dans cette vidéo vous aura le plus plu, que ce soit le ciel rugissant, origine antique, génération. Dites-moi lequel vous plaît le plus. Hop. Tac. Ça, on le vire. Tac. Le petit code online. Un mal de faire la mise au point aujourd'hui la caméra. Tac. 1, 2, 3. Je pense que j'ai mis un peu trop de lumière, c'est pour ça. D'habitude, j'allume pas tant de lumière que ça. Je vais peut-être en éteindre une. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Ça change pas grand-chose, mais bon. Je sais plus si je les ai mélangés ou pas. On verra. Forêt de plantes géantes. Pyroli. Lien spirituel. Junko. Persian. Relicante. Porygon. Golem Astok, Sepiatop, Pyrax en reverse et Pyrax en semi-full art. Ouais, d'accord, j'ai eu Alakazam, mais j'aimerais bien en avoir d'autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une autre ultra. Le petit code online. Tac. 1, 2, 3. Une full art, ça me ferait grave plaisir avec tous les boosters que j'ai achetés quand même. Ça me ferait grave plaisir. Alors, Motisma, ville abandonnée, Colimicus, Sepiatop. Oh, Sepiatop, il commence à nous faire, à nous suivre aussi. Mysterme, Tarsal, Golem Astok, Marest, Recycleur d'énergie en reverse, je ne l'avais pas. Ouais, vraiment sympa cette carte. Mouais. Et pour finir, un Kaorin. D'accord. Bon, je ne l'avais pas non plus, donc ça peut toujours remplir la collection. Voilà. Allez. On passe à la suite, vite. J'ai pas envie de faire une trop longue vidéo, hein. Je vous dis 30 minutes maximum, ou encore, je trouve ça d'ailleurs trop long. C'est pour ça que j'essaye d'enchaîner assez vite, sans pour autant détruire les cartes. Donc voilà, je fais ce que je peux. Si la vidéo est trop longue, je m'en excuse. Je sais que la deuxième vidéo que j'ai faite était extrêmement longue, dans les 40 minutes environ. Donc voilà, je m'excuse pour... Oh, Aqualie, sympa. Bon ben voilà, Aqualie, je ne l'avais pas. Ouais, je m'excuse pour la longueur qu'elle fait, quoi. J'aurais préféré faire une vidéo plus courte. Rouleau peinture, Nidalos, Pyronique, Gringolem, Apitrini, Marest, Balbuto en semi-poulard, ça je dis. Et Golem Astok. Ah non, il en reste encore une, autant pour moi. Golem Astok en semi-poulard reverse. Et encore Regice. Les ultras là, s'il vous plaît. À moins qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ah, là ça commence plutôt pas top, mis à part le méga Alakazam. Pourquoi je dis méga? Le Alakazam X, mis à part celui-là. Bon, le petit code online, tac. 1, 2, 3. Allez, Lisandre.
Aquali, Orctid, Golem Astok, Marest, Doudouvet, Balbuto, Zabbi, oh Léviator, oh elle est trop trop belle, en full art, oh vraiment vraiment sympa, oh j'adore, oh elle est trop belle, oh j'adore, super, Léviator et Entei en full art, holo full art, wow trop belle, magnifique. Bon, franchement je préfère quand même les full art de d'impact des destins, hein, autant vous dire qu'elles sont vachement plus jolies je trouve, et génération aussi, elles sont vachement jolies. Mais ça va quand même, là on a tombé sur de belles cartes. C'est des rares, c'est pas des... Je sais pas si c'est des ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Je suis pas expert non plus dans toutes les séries, je me suis pas vraiment renseigné, donc vous me le direz. Tac, Pyronie, Doudouvet. Oh, j'ai pas mélangé. Quel abruti. Bon alors, je vais remettre. Le petit code online. Heureusement que je me suis aperçu juste maintenant. 1, 2, 3. Quel abruti. Alors, Ténéfix, Forêt de Plantes, Pyroli, Pyronie, Doudouvet, Gringolen, Apitrini, Sepiatros, Lien Spirituel, Junko en reverse, Régirock, je l'avais déjà. D'accord. Allez, on passe au ciel rugissant. Voilà, par contre, je vais essayer de garder le booster. Je sais plus si j'en avais gardé. Je vais essayer de les ouvrir tranquille. Et s'il me résiste pas trop. Enfin, ça a l'air de bien s'ouvrir. Hein. Quand même. Ah non, ça s'est pas bien ouvert. Bon, tant pis. L'important, c'est le devant. Oh, non, j'aurais bien aimé le garder. Bon, tant pis. Tac. Hop. Le petit code online pour vous. 1, 2, 3. Donc voilà, après, je sais pas comment seront classées les autres cartes, parce que c'est la première fois que je les ouvre, à part ciel rugissant, que j'en ai déjà ouvert un. Ninjask. Zone aérienne. Rapaz épique. Drabi. Pois chijon. Ouais, d'accord. Tilton. Chenipot. Ningal, Blindalis en reverse, vraiment vraiment joli, et Déflaisant en semi-full art, d'accord, ok, bon c'est pas fameux, hein. Jusqu'à maintenant, autant vous dire que c'est pas top, hein. J'aurais préféré avoir mieux, avec tout ce que j'ai acheté, j'aurais préféré avoir largement mieux, hein. Plus d'ex et plus de full art, mais bon, on peut pas tout avoir. Hop, le code online, 1, 2, 3. Allez, on commence avec Electrode. Oh, Draco, vraiment jolie cette carte. Oh, elle est vraiment, vraiment sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment jolie. Tac, Pierre, Nirondelle, Dynavolt, Drabi encore, mais dans une autre illustration. Poachijon, Ningal, Togetic. Je l'avais déjà, mais là, franchement, je trouve que cette illustration est plus jolie que celle que j'avais. Et, pour finir, Absol en holographique. J'adore cette carte, elle est vraiment très très jolie. Surtout au niveau du décor, ouais, vraiment sympa. Ok, bon, c'est une holo, ça fait toujours plaisir. Allez, encore, ciel rugissant avec Méga Galan. J'avais peur de juste dire Galan, mais... Ça fait longtemps que j'ai plus vu sa forme méga évoluer. Hop. Hop. C'est bon, il n'y a plus rien. Tac, le petit code online. 1, 2, 3. Enfin, c'est le dernier paquet de ciel rugissant. Foulard apaisant, d'accord. Drac. Kos, ah, il ne manque plus que Dratak et j'aurai toute la famille des Dratak. Échange. Oh, Togepi, elle est trop jolie cette carte. Pourquoi je dis toujours cette photo? Togepi. Nanaf qui se fait attaquer par un piaf avec. Le pauvre. Mini Draco. Dynavolt. Nirondelle. Noix de coco. Ah, belle noix de coco qui vient protéger le Nanaf.
enfin, qui se venge, je dirais plutôt, contre les Piafabec. Vraiment sympa. Et pour finir, Flambusard. Oh là là, cette ouverture de malade. C'est n'importe quoi. Bon, XY étincelle maintenant. Bon, là par contre, c'est des cartes que je n'ai jamais eues, je ne connais pas la série. Donc, je vais découvrir ça tout de suite. Et franchement, l'illustration de ce booster est vraiment magnifique. C'est ma préférée de tout ce que je viens d'ouvrir jusqu'à maintenant. Mega Dark Feu Y, impeccable. Franchement, elle est trop trop belle. Oh non, je voulais pas l'ouvrir mal. Oh non, j'ai ouvert n'importe quoi. C'est vrai que c'est un petit peu chaud quand même à ouvrir. Oh là là, je fais un massacre. Je fais un massacre. Oh yeah. Ça s'ouvre n'importe comment, putain, en plus je voulais le garder celui-là. Donc je garde les boosters, peut-être pour me faire... enfin les boosters. Je garde les illustrations de boosters comme ça, peut-être pour me faire un décor de fond ou... si jamais j'ai besoin d'envoyer des cartes à des gens en échange, ça peut toujours faire plaisir. Leur carte là-dedans, plus de protection. En vous parlant de ça, pour ceux qui font des échanges avec moi, je leur dis direct, toutes les cartes que j'envoie sont sous protection, il n'y a pas de souci, elles sont bien protégées pour qu'elles restent un maximum neuves. Et wow, le code online pour étincelle, il est vraiment sympa au niveau des... Ouais, il change. Bon, voilà. 1, 2, 3. Tac, et on commence avec l'étincelle. Registre ami. Parfuré. Dame du sang Pokémon. Poppermine. Ouais, je vais plutôt garder celle-là plutôt que l'autre que j'avais. Pomme de pique, tiens, c'est un Pokémon never use, je pense, parce que c'est le genre de Pokémon qu'on oublie assez facilement. Tellement... qui sort de l'ordinaire. Enfin, il sort pas de l'ordinaire, il est fin. Voilà. Vous avez compris, c'est pas un Pokémon qui marque. Hop. Mustéboué. Vraiment mignon. Fouinette. Obali. Oh, vraiment joli celle-là aussi. Ah ben, Obali en reverse. Et pour finir, Musteflotte. D'accord. XY, étincelle, booster numéro 2. S'il te plaît, ouvre-toi comme il faut. J'ai pas envie de les couper au ciseau, en fait. J'ai pas envie de les couper au ciseau, j'ai... Oh là. Allez, ouvre-toi, là. Oh, c'est pas vrai, ça. Si je fais un décor avec des illustrations de booster comme ça, je pense que je remettrai du scotch. Ou... Bon, voilà. Hop, le petit code online pour vous. Ah, ça fait toujours plaisir. 1, 2, 3. Tac, allez, on commence avec Parturé, les aciers et crémeux. Ah, je sais pas si je l'avais celle-là, non, je crois pas. Je sais plus en fait. Obali. La Poreille, vraiment sympa celle-là aussi. Je ne l'avais pas. Chenipan. Galvaron. Galvaron, ouais. Je me souvenais plus de cette tête. Oui, Galvaron, ouais, vraiment sympa aussi. Ponyta. Oh, Kravarek en reverse. Sympa. Oh, vraiment joli cette carte. Kravarek en reverse. Et pour finir, Fouinard. D'accord. On passe au dernier étincelle et après on passera au Primo Choc. Et les Primo Choc, franchement, je les trouve hyper beaux. J'espère avoir quand même une ultra d'ici là. Une autre, parce que là, avec tous les boosters que je viens d'ouvrir, c'est un peu pénible quand même. C'est un peu pénible de pas avoir d'autres ultra, de pas avoir d'autres ultra qu'Alakazam. C'est vrai que c'est un peu chaud. J'aurais préféré en avoir. Ok, relégeant, désolé, j'ai eu la mémoire de mon appareil photo qui était pleine. J'ai dû le vider, donc voilà. Nous revoilà, et on continue la suite de Ciel Rugissant. Voilà, c'est ça. Ciel Rugissant. Je sais même plus si je les avais mélangés. Oh merde. Non, je crois pas que je les ai mélangés. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Je pense pas les avoir mélangés, donc... non, je pense pas. Enfin bref, on verra. Allez, on commence avec Crisacier et crémeux, cendre sacrée
et Lionceau encore. Non, qu'est-ce que je dis encore, on l'a pas eu. Farfuret. Ah, celle-là, elle est vraiment sympa, cette carte. Celle de Farfuret, j'aime bien. En plus, Pokémon, donc voilà. Grenipio. Je sais pas si je vais la remplacer avec une autre, parce que celle-là, elle est vraiment jolie aussi. Flabébé. Lixie. Oh, on dirait un bébé. Ouais, peut-être que je l'échangerai avec l'autre. Lixie. Mégaphone. Surprise. En reverse. Et pour finir, les ciels rugissants, nous finissons avec... Fouinard. Eh bien, c'est une catastrophe. À part à la Kazam X, on n'aura pas eu vraiment d'ultra rare. Hein. Autant vous le dire, cette ouverture, c'est un peu du fade. Bon, voilà, et on arrive au dernier booster, les Primo Shock. Autant dire que ces boosters, je ne les ai jamais ouverts. Donc, ce sera la surprise pour moi. Et pour vous aussi, je l'espère, si jamais vous avez jamais vu ces ouvertures. Enfin, voilà. Bon. Allez, espérons qu'on tombe sur des rares, au moins des ex. Au minimum des ex. Il me faudrait encore une ex au moins. Et ça ferait une assez bonne ouverture. Je veux dire, comparé à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu quand même du lourd. Donc là, ce serait con de tomber que sur des cartes banales. Allez, hop, on sort. Les petites cartes. Hop, on garde ça pour plus tard. Le petit code online. Tac. 1, 2, 3. C'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai eu une chance de ouf. J'ai eu que des bonnes cartes pratiquement. Monsieur Mime. Ok, bon ben. J'ai une amie qui ne l'aime pas. Et autant dire que cette carte, moi, je la trouve... voilà, quoi. J'ai vu des cartes Monsieur Mime vachement mieux. Bon, Monsieur Mime, Lampérois, d'accord. Scuba Ball. Hippopotas, en mode... pas de fimo, faite sur une branche. Encore, celle-là, je la trouve vraiment jolie. Comparée à un Solurdo et Chuchmur, qui, je trouvais, ça faisait un peu bizarre. Hippopotas. Aragdo. Barloche, Zigzagton, Arco, ouais, sympa, ça fait toujours plaisir d'avoir un starter. Arco, Mer Agitée, ouais, elle est vraiment sympa cette carte, ça fait un joli décor. Et pour finir, le premier booster Primo Shock, Junko. D'accord, Junko en rare. Ouais, d'accord. Autant se dire que ça s'annonce plutôt... pas top top. J'ai plutôt envie d'ouvrir d'abord le booster de méga comment est-ce qu'il s'appelle lui déjà, Gardevoir, méga Gardevoir, parce que je préfère garder Groudon à la fin. Voilà. Ça se voit peut-être pas, mais sur mon visage la déchéance, quoi, comparé à l'ancienne vidéo. Je veux dire, on a eu que des rares dans l'ancienne, là on en a une. C'est un peu short, quoi. Hop, pardon. Le petit code online. 1, 2, 3. Et on commence avec une énergie acier. Coconfort. Linéon. Rhinocorne. Enchouette. Poussifeu. Ouais. J'aime pas, enfin ça m'a fait bizarre la tête qu'il a fait. Starry, Nenupio, Aspico en reverse, et pour finir, nous sommes sur un Sharpedo X. Ben voilà, mais putain, c'est pas trop tôt, une autre X. Bon ben voilà, ça fait super plaisir, Sharpedo X. Enfin, enfin, on tombe sur une autre ultra. Ouais, vraiment joli, j'aime bien. L'œil, ça fait vraiment sympa comme ils ont fait. Voilà, bon ben ça fait une deuxième ex, ça fait toujours plaisir, ce sera toujours ça de plus à vous présenter à la fin. Et on finit le dernier booster de Primo Groudon. Espérons qu'on en ait une troisième, allez, dernier booster, une dernière petite ultra, ça serait super, ça serait franchement, ça serait nickel. Mais bon, on peut pas deviner, on peut pas voir à travers les cartes, sinon on n'aurait que des ultras. On aurait vraiment que des ultras, ce serait... voilà. Hop. Pardon. Voilà, le petit code.
1, 2, 3. Oui, c'est bon, j'ai cru que j'en avais pris 4. Hop. Et on commence avec énergie, acier, barbicha, scoubaball, craquenois, spanda. Ah oh, tiens, un Pokémon que j'avais complètement zappé. Hippotrempe, skitty. Oh mon dieu, mais il est minuscule. On dirait qu'il fait la taille d'une fleur. Il est tout au petit. Bon, vraiment sympa. Ainsi. What the f... Cette carte, elle est pas dans le... dans les générations normalement. Ah non mais oui c'est vrai. Génération ils ont pris déjà des cartes qui étaient déjà... Enfin ils ont réédité des cartes. Bon enfin bref, voilà un sac de nœuds. Ouais. Galifeu en reverse. Et pour finir, espérons qu'on tombe sur un bon truc. Allez, allez, allez. Au massacre en holographique. Ouais, d'accord. Ok, alors c'est pas mon Pokémon préféré mais bon ça va, c'est une holographique donc... C'est pardonnable. Bon, ben voilà, c'était la dernière ouverture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous quand même vous présenter les deux ultras que j'ai eu dans cette vidéo. Franchement, je m'attendais à vachement mieux. Je m'attendais au moins à une minimum une full art. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas voir à travers les cartes. Sinon, on n'aurait que des ultras. Voilà, bon, ben, ça fait quand même plaisir. Deux petites ex qui sont vraiment jolies, je trouve. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite... Enfin, j'espère que cette petite vidéo... Enfin, petite... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le petit soutien que... de la déchéance de ces ouvertures. N'hésitez pas à la partager et surtout laissez un petit commentaire, ça fait super plaisir. J'adore moi lire vos commentaires, ça me fait... Franchement, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, moi j'adore. Je tâcherai d'y répondre, hein, bien sûr. Et ben moi en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée ou une bonne fin de matinée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !